la suite de notre petit shadow. Baisser un petit peu le son du jeu, je l'ai mis à 10 sur Twitch pour voir si c'est bien. C'est bien comme ça. Peut-être que le son du jeu sera un petit peu faible. Je verrai bien. Putain, l'a tué? No, he was weak. See what's left of him. You do not become chopped meat if you are stronger than they are. This hell monkey needs to face a real hunter. Between socially maladjusted and dear Abby, I just ingested my own heart. Before you die, demon scum, I will carve my name in your flesh. That name. Is Garcia fucking Hotspur, hunter of demons and slayer of pendejos like you? Cool. Aïe. Hein? Putain, faut tirer là-dessus. Il est où? Putain, pas encore.
J'aurais mis vachement. Oula. Ah d'accord. Putain, le prochain. Peut-être essayer la... Ouais, la machine gun. Un petit peu pète-couille quand même. Oh putain. Ah d'accord, c'est scripté en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ah. En effet, c'est plus rapide. Putain, il est pas mort. J'ai pas eu. Elle est morte là quand même. Ah. Over there.
liar. Oh, gimme, gimme! Sweet mother of pearl, this is an ad for Angel's Kiss! What's that? Only the hottest hostess club in the underworld, G. The honeys there used to give the most lovely blowjobs before I f***ed them in their sockets. Of course, this is when I still have fleshy parts. Johnson, that's sick. Just get me to a phone. This boner needs a booster. D'accord, c'est là où il y a le... Let's dive in. C'est là où il y a le truc genre... Le flank beat. Don't know about this. Oula. Il n'y a pas un succès d'ailleurs, il fallait boire plusieurs verres à la suite. Un petit succès pour ivresse publique. Oui, c'est ça, on va voir un flingue énorme qui ressemble à une bite. Je crois que c'est ça. Now that is a big boner. All right, Johnson, let's take this pole for a stroll. Oh putain. Ah, je m'en souviens un petit peu, ouais. RT. Faut que j'appuie en boucle. Il est mort, il est mort. Merde. Non, on l'a pas eu, on l'a pas eu. On a un gros, nous. Oh, succès, trou de mémoire. Ça. La tête baissée, lui. On croirait un titan de attaque des titans. Quick, G. Paradise awaits between those poster board legs. Fini. Bien.
Ah. Hein? Faut aller où? Ah! En effet. Mais je... D'accord. Ah, d'accord. Je m'en souvenais plus de ça, dis donc. Ah oui. C'est pas mal. What? Ah d'accord, d'accord, mais dans les plusieurs zones. Moi je me disais bien que c'était plus long. Ouais. Le pire, c'est que je sais même pas si ce jeu est interdit au moins de 18 ans. Enfin, au moins de 20 ans, j'avoue. Je suis pas sûr. J'ai du mal. Oula. Mon big bonheur est. Ne va pas bien. Ça va. Ah non, ça va pas. Ça va pas mal. Il y a des phrases en plus. Non. Oula. Il est pas mort. J'ai eu. On dirait qu'il dit mon big bonheur. En français, évidemment. C'est mon gros bonheur. Ouais, c'est vrai que ça... cette phase était comique. Quand même. Putain, c'est chaud, quoi. Tellement japonais. Ah, évidemment. On aurait pu passer par la tête, mais ça aurait été trop simple, j'ai envie de dire. H1 à 5. Faut dire, tu me fais tourner la tête. Oh le salaud. Il y en a partout. Oui, il like it. Oh putain. Il y en a un derrière.
Comment ça? Ça. La vague de la fin, ça. Mais non. N'importe quoi. Ça va. Like herpes. Not that I know. Vámonos. Si, ouais, j'ai l'impression quand même qu'il avait le... qu'il était interdit moins de 20 ans. On dirait. Okay, donc il y avait que 3 phases. C'est vrai qu'il y avait ce jeu. It's like we're in our very own toy theater. No one toys with me. Comment jouer? Ils ont fait un jeu indé, enfin un jeu indé. Ils ont fait un jeu basé sur ce type de graphisme. C'était Black. Black, je sais plus quoi. Qui malheureusement n'est pas rétro-compatible. C'est bien dommage. Thank you.
C'était juste. Ils m'ont foncé dessus. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ils m'ont foncé dessus, un truc de fou. Oh, on recommence depuis le début en plus. Que du bonheur. We're flat as paper. It's like we're in our very own toy theater. No one toys with me. Je sais pas d'ailleurs où est notre vie. Est-ce que c'est une gemme blanche? Notre vie, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Ah, c'est les vêtements, d'accord. C'est un... C'est ma faute. Ah, ils sont cons, franchement. C'est un checkpoint. Putain, c'est mieux que Mario Maker, ça. Ressemble un petit peu à un vampire comme ça. Avec la peau blanche. C'est un petit peu le comte Dracula. Pour tourner. Mais what? J'ai pas compris. Comment on fait pour se retourner? Fallait passer avant? J'ai pas compris. Comment on fait pour se retourner?
pour toutes les touches, mais... Peut-être se dépêcher. Bah non. What? C'est une blague? Mais... Ah, les yeux ouverts. Commande, s'il vous plaît. Il y a un truc que j'ai pas compris. Hein. Comment on fait pour se retourner? On va regarder sur le net parce que là j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est ma manette qui bug? Est-ce que c'est le jeu qui bug? C'est chelou. Je sais même plus quel niveau on est. Oui, ça doit être 4... 1. Le 4-2. Un des le 4-2. C'est ça, c'est le 4-2. Et comment on fait? Comment il fait? Ah d'accord. On peut pas se retourner en fait. Les avoir d'en bas les ennemis. J'avais tellement peur que le jeu avait bugué. C'était pas un bug. C'est chelou, le scrolling il va et vient, donc c'est pas très naturel. Tu vas jusqu'où? Comme dans Mario Maker. Sauf que je ne cœur pas ce niveau, moi, en tout cas.
Hop, on ferme les rideaux. Il commence à faire nuit. Voilà. Village du monde des démons. Un très joli succès. Ou pas. Donc on est au 4-3, putain ça va vite. A library. Hard to believe that singing she-devil would ever crack a book. Oh. The Buddha wants to see if we have the balls to follow her. Well, I think I can keep it up. TMI, Johnson. Look alive. We've got company. Danger in the stacks, G. These baddies can teleport. Okay. Look at the tracks in those plugs. They're just begging to get blasted to pieces. Destroy those plugs with the hot boner. Ah, d'accord. J'avais oublié, oui. Comment on faisait déjà? Oui, merci. Ah putain, j'ai pas vu. Ah non, j'ai pas. Je ne l'ai pas. Putain, j'ai pas. C'est bon ? Peut-être. Putain, c'est pas bon. To Dewey decimate them. D'accord, il suicide. Come on, that diva bitch is going to lead us straight to Paula. Why would the hell monkeys bother building a library? Have you forgotten about those storybooks we found? Demons love a well-spun tale every bit as much as humans. So what is your favorite demon story? Oh, that's easy. The Unbreakable Huntress. On va être proche de la fin là quand même. Bon, on n'a pas besoin d'acheter du sac. On va aller voir là-bas d'abord. Il faut. D'accord. Ça l'a pas touché. Si.
Ah merde, il est pas mort. Il y a du monde. Putain. J'ai foutu une bombe sur lui. C'est marrant ça. Est-ce qu'on peut tous les faire exploser en même temps? Ça va être dur, ça va être dur. C'est dur. Faut qu'on boive. Faut boire dans la vie. On peut pas venir là? Ah d'accord. Rendition of the Unbreakable Huntress. Lots of demon hunters have challenged Fleming over the years, and while some of them were legends like you, Garcia, very few of them were women. Well, that makes sense. It takes a lot of grip strength to hold onto a hunter's manly equipment. Don't be sexist, G. The ladies I've known had more than enough grip strength to hold onto my... Do you want to hear this story or not? Oh, by all means. Once upon a time, there was a proud and beautiful demon huntress. The first woman of her profession. Dressed in red and armed to the teeth, she fought her way to the Lord of the Dead's castle. What arrogance! How dare you challenge me! Bellowed the Lord of the Dead. The last thing I expect is a challenge, the huntress answered. I like her already. Un boss peut-être. I bet she'd be fun in the sack if she weren't so keen on eviscerating us. Just saying. We need to find a way over to the other balcony. On peut pas passer.
think we could use the light shot to rearrange those shelves and make a bridge. C'est à gauche et là la droite. Est-ce qu'il y a un passage pour sauter ici? J'ai l'impression. On peut pas le faire aller en bas. Ah. C'est le bordel. Toi, tu veux pas aller en haut. Ah, il va jusque là-bas, lui. Il nous facilite pas la tâche. Ah, il veut bien aller en bas. Et donc, toi. Et maintenant, il va trop en bas. Ah, mais c'est pas grave. On peut y aller, mais là. Ouais. Est-ce qu'on a... C'est tout bon. Oui. Ah d'accord, la porte s'ouvre maintenant, d'accord. D'accord, il faut trouver 4 sphères.
Ok. T'es pas là, toi, tout à l'heure. Where was I? Ah, yes. The Huntress had insulted the Lord of the Dead, and now his eyes glowed. Some say from rage, others from passion. You are bolder than the other hunters, he said. But even a woman's pride can be broken. There was a flash of steel and a spray of red as both the Huntress's arms tumbled from her body. She screamed, tears welled up in her eyes. Never had she known such pain. But she would not be deterred and continued walking toward her adversary. With a devilish grin, the Lord of the Dead lopped off the Huntress's legs one at a time. Thwoop! Thwoop! Again she screamed in pain as her torso flopped onto the floor. She could feel his breath as he hovered over her. I could take you right here and now. The fists on her severed arms clenched in resistance. Through her tears, she replied, You might take me, but you will never have me. Wow. Putain, les histoires. Ah, c'est parti pour une longue histoire, non? Ah non, ah si. Burn them all. Tire de lumière la taille. On va prendre le temps d'étournissement un peu. On peut pas le nier. Ah bon. Ah bon. Merde. On n'avait pas 5. Ça va faire quoi? Ça fait rien. Ils sont que 4. J'ai vu qu'il y a un succès où il faut toucher la tête. Enfin, tirer dans la tête après avoir tiré dans la jambe, c'est chaud. Qu'il n'y a pas d'histoire. Ah, il est sûr. Ah.
C'est quoi qui restaure le plus? La tequila, ça donne combien? Ça donne 100? Ouais. Putain, mais... la jambe. Non. Ah. Ça ne marche pas. Ah tiens, le retour. J'ai retrouvé ses bras. Well, so impressed was the Lord of the Dead that he put her back together and made her his queen. Time and again he killed her, just to take pleasure in her proud refusal to be dead. But they say she's never stopped trying to claw her way back to the world of the living, where she knows she truly belongs. Isn't that a great story? Her courage is what inspired me to seek my own freedom. She sounds like one hell of a woman. Sacrée bonne femme. Psychopomp and circumstance. It was her turn to fetch the water, and Maris Grimm was determined to be done with it as soon as possible. Bucket in hand, she made her way down to the well by the wheat field. She and her two elder sisters were all beautiful. But on this windy day,
Maris outshone them all. She was in love. Whoosh. The wheat bowed a greeting as the breeze caught it. And a good day to you, Maris giggled, as her nipples responded to the weather and thoughts of her lover. My word, what is this storybook rated? She wound a pail of water to the top of the well, but no sooner had she grabbed the rope than she felt a sharp tug, lost her balance, and went tumbling into the gloom head first. Mother Fudge! Mother Fudge! Cried Maris. An hour later, the sun sat lower in the sky as two figures approached the well. One was Maris's older sister, Colleen, and she was very concerned. The other was their faithful collie, Ow Ow. Help me! Cried Maris from the bottom of the well. But as Colleen grabbed the rope to pull her sister up, she too was yanked into the darkness below. Well, that sucks. Ow Ow! Go get help, boy! Cried Colleen. Oof! Woofed Ow Ow in response. But because he was a stupid collie, he instead grabbed the loose end of the rope and began to tug valiantly. Crack-a-boom! Boom! Boom! Suddenly, a freak bolt of lightning lanced down from the sky and hit poor Ow Ow, causing the pooch to explode in a crimson blossom of slippery Ow Ow giblets. Poor, stupid Ow Ow. Stupid is right. My pet was smarter. Shh! Keep reading. It was well after dark, and Maris and Colleen had all but given up hope when their eldest and wisest sister, Guiltine, arrived on the scene. Where are you, sister? Was all she managed to utter ere she slipped on Ow Ow's unctuous leftovers and fell down, down, down into the wicked well. Plonkety rascal rabbitness. And with that, the sisters Grimm vanished from the world for 7 full years. When they returned, they served a new master who had been smitten by their beauty. Though that beauty faded, his gift to them was theirs forever. The power to end lives as abruptly as fate had ended their own. The end. Oh, I was hoping we'd find out why they all sound like men. D'accord, donc c'est les trois faucheuses. On en a tué que deux d'ailleurs. Johnson. Honestly, I see you as more of a comic book hero. And anyway, it just so happens I've already been immortalized in prose. Really? What is this book called? Big Books. Testicles. I am sorry I ask. Encore une gemme. Tant mieux, hein. On va reprendre de la santé. Oh, c'est de l'absinthe. I'm not falling for that sexy bullshit. I'm only at half mast. Now you bring my unhell out here before I get misogyny.
dear. Ah. I think the eldest sister Grimm is just a bit angry we've thinned out her number. C'est elle. La dernière sœur. On peut la voir. Putain, j'ai plus de munitions ? Merde. Pas prévu ça. Oh putain, je l'ai eu. J'ai eu le succès de détruire la jambe et tirer dans la tête en plein vol. Incroyable. On va boire. Heureusement que j'ai vu. Je crois qu'on a tué les trois sœurs. Now here's a pretty prize. I smell an upgrade. Plug it in, G. Plug it in, G. The Dentist. Verrouiller automatiquement plusieurs cibles. Ok. On verra ça. La purée, j'ai plus de balles. Ouais. Ça doit être la fin du chapitre. Quoique, il y a un point de sauvegarde, donc non. Il y a des tableaux chelous quand même.
her go, you singing cunt! I'm coming, baby! After her, G-cakes! Attends. Mais là aussi il fait noir. Ok. Tout le monde est content. Il commence à avoir du monde là. Il est pas mort, lui ? D'accord. Le truc qui veut pas exploser. Ah, on est repassé à zéro munitions, c'est merveilleux. Allez là. Merde. On s'est entretué. Enfin, surtout à cause de mes bombes. On avait mis trop de bombes sur le mec. Il était trop proche, ça nous a pété la gueule. Mm.
Oh putain, on prend ici. Let her go, you singing cunt. I'm coming, baby. After her, G-cakes. C'est vrai qu'on a eu 14 jeux aujourd'hui. Regardez l'interview d'Emmanuel Macron. Toi, t'es spécial. Putain, on est dans quel sens là? Il est où? Ok. Il est parti de l'autre côté, s'il veut. Ah le voilà, putain c'est chelou ça. Tu vois que dalle. Merde, on est où? On est où? Putain, j'ai peur, je vais être là. Oh non. Voilà. Putain, mais dégage, toi. Vite. Voilà. Ça doit être bon.
Donc, on doit aller... Ah, ça fait longtemps. Woo-wee! I sure hope your girlfriend's more stable than that deranged blonde. Taille. Temps d'étourdissement. Et capacité. Il en reste une. Ah bon. Bataille. Tiens, un ennemi qui est sorti en fait tout à l'heure. Non. Oh putain, il y en a deux. Est-ce que vous popez à l'infini, les mecs? Dommage. Quel con. Enfin, peut-être qu'il pop à l'infini, ouais, mais un par un. Donc c'est pas intéressant. Par deux. Ouais. Ça nous fera quelques kills pour le succès du dentiste. Ah, chapitre fini. Chase, doesn't this remind you of an old storybook? I don't read fairy tales. But look up ahead. Stay on this fairy's tail and we'll be within shouting distance of the castle. On va essayer de ne pas avancer trop vite. Ça va se retrouver à poil, le truc n'a même pas commencé. En arrière maintenant. D'accord. Et
C'est quoi ça? Je me demande d'ailleurs s'il n'y avait pas un boss comme ça dans une de ces phases. Putain de merde! Oh putain, je suis mort. Je pouvais plus tirer. Bon, heureusement, on avait eu un checkpoint. On s'en fout de la vie. Au niveau précédent, on avait eu deux checkpoints. Donc peut-être qu'on est pas loin de la fin, putain de merde. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui me pop dessus. Ah, c'est fini. Je me demande si c'était pas Black Knight, leur jeu comme ça en VR. J'arrive pas à trouver le nom du jeu. Ils sont pas assez nombreux.
rank 3. Donc on aurait 5. Je sais pas pourquoi, mais ces niveaux, ça me fait penser à un niveau de Resident Evil 5. Quand on est dans les sortes de grottes. Mais je t'avais pas vu toi, dis donc. Est-ce que je peux t'avoir ici? Jeter. Tire de lumière. Attendez, ton disque. Demon longer than any of us can remember. A few fanatics even decided to worship him. As if that would save them.
Seriously creepy vibes. We're practically in Fleming's front yard now. Are you sure we should press on? I'm a Mexican, Johnson. Not a Mexican. Bravo, G. Highly original. C'est vrai qu'on est quasiment arrivé à son palace. Voici Voldo de Soul Calibur. Ah, Monsieur Voldo, calmez-vous s'il vous plaît. D'accord, c'était un ennemi normal. Je pensais que c'était une sorte de boss ou mini-boss. Bah tiens. Masochistic, no? Why would demons go out of their way to get their faces burned off? Why do people bungee jump? Same question. Anyway, Fleming forces the demons to attend. He likes the smell of burning flesh. C'est le 14 juillet, ça tombe bien. De l'alcool. Toujours aussi sympa. Encore toi. C'est pas le même. Merde. 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 Putain, merde. Putain, ici aussi. Au secours. Faut péter les trucs. Putain, ils sont sérieux? Mais je fais comment? Putain de merde. Mais c'est pas là, c'est pas là. Oh, c'est là. Oh. Saloperie. Mais c'est pas ça. Mmh.
Mais dégage, salopard. Putain. Mais tu vas dégager. Est-ce que c'est des normaux qui pop? C'est des normaux quand même. Y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Je fais comment pour choper les globules? Ah d'en haut, d'accord. D'accord. Pas vraiment le temps de bien regarder les autres. On va reprendre de la santé ici. C'est bon. Je peux pas passer, hein? Pourquoi? J'ai vraiment l'impression qu'ils ont essayé de copier les ténèbres de Silent Hill avec ce machin. Vu que bon, c'est quand même le compositeur des Silent Hill qui est sur le jeu, donc je pense qu'ils ont essayé de faire le parallèle. Seems like a cozy neighborhood. C'est un acte tout entier, on dirait. Ce qui va faire... Ça va faire, ouais, 1h30, je pense.
Donc, je crois que je vais m'arrêter à cet acte-là. Sinon, ça va faire trop long après. Paola! Paola! Voilà, santé Max. Ah tiens, il y a notre ami de retour. Tu veux un œil et un cerveau derrière. On pourrait aller ici. Et là-bas, c'est quoi? Il en reste une. D'accord. Ça c'est plus un secret, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai pas l'impression. Ah, que dalle. Oh, une gemme. Ça faisait longtemps. À péter. C'est tout seul. Il y a très peu d'endroits où il y a beaucoup d'ennemis quand même. C'est toujours 2-3 ennemis max. Bon. Ah, quoique là il y en a 5. Il y en a 5. Mais il est mort! Il est mort! Putain. Ouvrez grand. Très joli succès. Ils sont que 30. Ouais.
flamme est... Bâtard. Change d'arme, toi. Merci. Putain, mais ils s'entretuent en plus. Mais quelle bande de cons. Retour de Voldo. Ah, il y en a deux. Deuxième a disparu. Bah voilà, une affaire très vite réglée. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? On peut passer là. Où? Bah non. Passer là. Tiens. Il y a un ennemi qui s'est barré. Ok. C'était où d'ailleurs? C'était à côté. Ils sont trois. Ils sont trois. I miss Paola's caprese salad. She would make that for me whenever I came back from the hunt. I know, it's your favorite. Although how you could have an appetite now is beyond me. I am always hungry for my anhel. Ah mais oui, c'est vrai que c'était un œil qu'il nous fallait. Oh bah voilà. La beauté sinon rien. Ah, je sais pas si on est prêt pour une nouvelle histoire.
On va dire que oui. Bravo, bravissima! A tidal wave of applause washed over Justine as roses rained down on the stage. It's a wonder they don't hit me, she thought bitterly. I'm the largest target for miles. After curtain down, she retired to her dressing room, set her horned Viking helmet aside, and waddled up to the mirror with a gelatinous jiggle. There was a knock at the door, and Henry Wallin appeared. Henry again. Cheers, Louise. You were magnificent, Miss DiVangelo. Did you see? The papers are calling you the finest soprano of the 19th century. He looked at the floor and shifted his feet uncomfortably. Every man in town loves you. Okay. Stupid Henry, moaned Justine as she examined her profile in the mirror. No real man could love a fat twat like me. She tried adjusting her midriff. Disgusting. She waited for the sigh, but today Henry's response was different. There was a rustle, a metallic thunk. Good evening to you, my lady. She heard the clack of the door. Justine gazed wistfully at the tintype of beautiful Bella Margot, the slender soprano she idolized in her youth. What was Bella's secret, she wondered, as she picked away at a box of truffles on the table. What indeed? A few minutes later, Justine was bent over the wastebasket by the door, gagging and heaving. Eventually, she gave up and removed her finger from her throat. Then, at the bottom of the wastebasket, she saw the roses and the letter and remembered the rustle and the thunk. She opened the letter and read aloud. You have won my heart, and that is no small feat. Oh, how sweet! No small feat, she shouted in rage. A large feat, is that it? She crumpled up the note, threw it on the floor, and stomped on it for good measure. Something inside of her had snapped. From that moment forward, she was determined to never sing again. Her voice could go to hell, just as long as she could be beautiful. No one knows exactly what happened to Justine after that. Not the impresario who had begged her to come back, not the reporters who had begged her to comment, not Henry, who had been too crushed to face her again. Correct me if I'm wrong, G, but didn't Henry want to be crushed? I mean, come on. Chubby chaser, anyone? When Justine's landlord finally let himself in, he was startled to discover a slim and beautiful woman in his tenant's armchair. She was naked, and her throat had been savaged. The blood had painted an inverse bouquet of roses on her chest. The woman held her own vocal cords in her hands. The end. Toujours aussi glauque leur histoire. Ça faisait longtemps. Ah. Il veut pas mourir, hein. Merde. C'est bien.
J'ai pas l'impression que je le touche. Putain, mais ça va? C'est le boss de fin en fait. Mais c'est dingue. Mais il est invincible ou quoi? Putain la vache. On s'est mis en mode impossible ou quoi là, parce que... Puis la musique derrière qui arrête pas de crier là... Franchement, Yamaoka est connu pour faire de bonnes musiques, mais là... Je suis pas sûr que ça soit sa meilleure œuvre. Faire un truc en particulier. Ah. 3, 3, 3. Quatre. Mais c'est pas assez. Ah d'accord. Sacré flingue. Je crois que j'ai aussi le succès pour le Skullfest. Eat this.
c'est pas encore fini. Ça, c'est quoi ce chapitre de fou? Paula! Is this the part where I speak now instead of holding my peace? Shut up! Paula! It's really you, isn't it? You came for me. I'm so happy. I can't tell you how long I've been here. I'm sorry it took me so long, baby. No apologies, Garcia. You're here. That's what's important. Girl just waiting to get out. Puta, then put on your best dress, because tonight I am taking you out. It's good. Putain, faut péter les vitres. Merde. Mais non! Mais change d'arme! C'était un tir de lumière, hein. Non. Comme ça, demain on fera le 4-6 et on fera le dernier acte. D'accord. C'est encore un niveau comme ça en plus. Ouais. Donc on fera ça demain, je pense. Ou après-demain. En tout cas, oui. Vu que mardi, mercredi, jeudi, après vendredi, c'est Ghost of Tsushima, donc voilà, faut finir soit demain, soit après-demain, c'est obligé. Sur ce, c'était pas mal, un petit peu longué parfois, il y a vraiment des chapitres qui sont beaucoup trop longs par rapport à d'autres, c'est un petit peu dommage, mais bon. Le jeu reste quand même sympa. Allez. À la prochaine pour la dernière partie, j'espère, de ce magnifique Shadow of the Dam.